Nous souhaitons valoriser le travail qui a été effectué par l'ensemble des partenaires au travers d'un questionnaire que nous avons soumis à l'ensemble des parents, d'un bulletin d'information qui vous permettra de découvrir toute la variété d'animations, d'activités proposées aux enfants et également au travers de ce journal vidéo. Nous souhaitons, grâce à ces moyens de communication, créer un lien avec vous, parents, car il est essentiel que vous nous apportiez votre regard, votre avis sur ce qui est proposé, tout simplement pour participer avec vos enfants à ces différentes activités, mais également pour nous faire des propositions pour améliorer, maintenir, corriger au besoin le système que nous avons mis en place. Dans chaque école de la ville, les ATSEM mettent en place un projet, que ce soit sur une période ou l'année entière, comme ici à l'école des Troubadours. C'est un projet qui tourne autour du thème des Indiens. Voilà, alors ça va aboutir à la fin de l'année, un spectacle. Le scénario ainsi que les costumes et les décors seront faits totalement par les enfants. Voilà, et donc nous travaillons tous les vendredis après-midi à ça. Ça permet aux enfants de pouvoir toucher à la peinture, au découpage, à la création de costumes, voilà, et puis de voir notre univers. À ce jour, ce sont 15 associations plus le service municipal des sports et le lycée Jules Fil qui interviennent dans les écoles maternelles de la ville de Carcassonne chaque vendredi après-midi. Certains intervenants sont fixes sur l'année entière en raison de leur projet et certaines associations changent d'école après chaque période afin que tous les enfants puissent bénéficier de la prestation associative ou sportive. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'école du Cirque pour tous. Cette association, partenaire des TAP, intervient dans deux écoles à chaque période, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h, avec Paolo le magicien. Au programme, mise en place de divers ateliers autour du cirque. Ateliers de magie, de motricité, jeux d'équilibre, jeux de jonglage, animés par un professionnel qui les exerce de façon très ludique et joyeuse.